Bonsoir. Ah, ça va? Ça va? Est-ce que vous passez une bonne semaine depuis 20h qu'elle a commencé maintenant? Personnellement, ouais. Ça va. Tranquille. Donc ce soir. Merde. Eh ben dis. tu parles d'une merde. Donc ce soir, ça va être un lundi oldie, mais tranquillou quoi, ça va être pas trop vénère. Je vais juste essayer de finir SWAT 4, donc The Stagecoff Syndicate, hein, le DLC qu'on a commencé il y a à peu près 8 ans maintenant. Il reste 3 missions, j'ai regardé, il reste un labo de drogue, un garage et je sais plus quoi. Mais du coup, je pense qu'en une soirée, ça peut se caser relativement tranquille. J'espère. Donc, je vais essayer de le finir. Et en fait, j'étais en train de regarder des mods pour Stagecoff Syndicate pour voir s'il n'y avait pas des fixes pour le... l'IA qui pétait un plomb, pour le son des fois qui pète un plomb et tout. J'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé un mod plutôt cool qui s'appelle Special Elite Force. Je crois un truc comme ça, CEF. Je crois que c'est CEF, ouais. C'est un truc comme ça. Et ça rajoute pas mal de trucs, ça rajoute pas mal de contenu qui a été coupé de SWAT 4 original. Donc ça rajoute les pièges, ça rajoute les mentalités d'ennemis différents. Donc il y a des ennemis qui sont fous et que tu peux pas choper comme ça, que tu peux pas intimider. Et qui vont venir essayer de te taper ta gueule et te tirer dessus directement au bout portant. En fait ils ont rajouté pas mal de trucs, y compris des armes en rab. Et du coup voilà, je pense que je vais vous montrer ça juste pour la fin du stream de SWAT 4. Et ensuite j'ai envie aussi de vous montrer du Ape Out. Ape Out qui est un jeu complètement stylé qui est sorti il y a pas très longtemps chez comment il s'appelle, Devolver Digital, et je pense que on mérite tous d'avoir un petit peu de Ape Out dans un stream quoi. Donc voilà, j'espère que ça va être cool. Normalement ça devrait être cool. J'espère aussi que SWAT 4 va pas durer trop longtemps, parce que si Ape Out je dois le commencer à 3h du match, je pense qu'on va être tous un petit peu dans une espèce de soupe de fatigue et d'excitation sexuelle. Et Balavoine, ce sera après B44. Je m'entraîne là, je m'échauffe la voix pour l'instant. Et ensuite on y va. T'inquiète pas B44. Attends, je me trouve une belle petite chanson de Balavoine. Qu'est-ce qu'on peut... SOS intérieur en détresse, elle est pas mal celle-là, je crois, non? En fait, je crois que je me rends compte que j'en connais très peu de Balavoine. Attends, il y a une chanson qui s'appelle Soulève-moi. Attends. Oh putain, il a tourné ça en Alsace, mec. Soulève-moi. Oh mon gars. Dis-moi combien il faut que je te paye. Inventer une nuit de soleil. C'est trop stylé, mon gars. Donc bref, bah écoute, on va lancer dès maintenant. Toi, tu vas aller niquer ta race. Et toi, tu vas venir là. Et bim, la reprise Zouk, elle va te tuer. Soulève-moi. Alors, lobotomie, rue, t'as réussi à faire des trucs. Pour l'instant, je suis encore dans le tutoriel Spider. Il y a énormément de choses. Je comprends rien à ce que je fais. J'ai juste suivi les menus vite fait. Mais mec, je comprends que dalle, quoi. Il y a, tu sais, lobotomie, c'est un jeu qui est sorti sur Steam il y a quelques jours, je crois. Et c'est une espèce de jeu de gestion où tu gères des monstres un peu à la SCP qui ont tous des pouvoirs différents et tout. Et t'as des testeurs qui doivent tester des trucs sur eux, en fait, en laboratoire. Et donc, t'as des tests. Et en fait, le délire, c'est qu'il y a tellement d'acronymes partout que je comprends que dalle. J'ai l'impression d'assister à un briefing de mission de Metal Gear, tu sais. Les SOP sont rentrés dans la LZ et on a que deux POW pour retrouver les BOW. Enfin, j'en peux plus. Je comprends que dalle. Donc on verra plus tard si jamais je vous montre lobotomie, mais c'est un peu spécial et je pense que c'est relativement instreamable. Mais bref, tac, gaming. Yes, c'est pas ça que je voulais faire. Yes. Je pense que le son va être un peu fort tôt. Yes. Ok. Donc, va falloir que tu fasses un petit livret comme sur RE2R. Tu sais que là, dans mon... Pas dans mon cul, dans mon bureau. Ça, là, c'est un livret que j'ai exprès pour les jeux vidéo. Et je note plein de trucs dedans. J'avais noté le combo de... C'est de King pour les shops successives et tout. Mais moi, je suis un fou. Moi, je suis un boomer, mais jusqu'au bout, moi. Pourquoi on voit mon petit curseur en même temps? Vous le voyez aussi, mon petit curseur qui est suivi par le gros curseur? On dirait qu'il fait hey, madame. Lâchez-moi, monsieur. Hey, madame. Je sais pas si vous le voyez, vous. Oui. C'est chelou, non? Attends, est-ce que je peux pas le virer, ça? Ah oui, donc j'ai... Oui.
Vu qu'on est en widescreen, en 16:9, il y a certains noms de menus qui n'apparaissent pas du tout. Non, apparemment, je peux pas le virer. Tant pis, on s'en fout. Au pire, ça gêne pas trop. Pas dans ton écran. Classe. Posture haute sur Nioh égale Shaitan. Salut Brony, mec. Salut, mec. En parlant de Nioh, je vais lancer le jeu, vous inquiétez pas, hein, mais écoute, ça fait une semaine que j'ai pas streamé, peut-être un petit peu, tu vois, il me faut un petit temps d'adaptation. On va streamer samedi prochain Sekiro, on va commencer Sekiro environ 8 mois après tout le monde, avec Whisky, donc samedi prochain, qui vient là cette semaine en fait. Donc je suis extrêmement nerveux, parce que je vois tout le monde qui se chie dessus et qui chie du sang. Et comme nous, on va certainement le faire avec des gros shots de multivitaminés à chaque mort. Je pense qu'il va y avoir, il va y avoir homicide. On va faire un truc, peut-être qu'on va alterner les shots ou un truc comme ça, parce que là, si t'arrives toutes les missions en une fois, je t'achète le livre de Gomette. Parce que voilà, Poons m'a envoyé une photo. Est-ce que je peux... Non, va falloir que je la retrouve, c'est chiant. Une photo d'un bouquin qu'elle a trouvé qui s'appelle Mes Gomettes Super Chouettes. Et je le veux. Et je le veux vraiment. Franchement, ouais, il est vénère de ouf. Toutes les deux morts, ça va le faire. T'aurais dû entendre Spider en vocal tout à l'heure, c'était Golry. Ouais, mais Spider, c'est pas pareil. Spider, il hurle sur du solitaire. J'y peux rien. Si, monte-le. Non, mais il faut que je retrouve la conversation Facebook et j'ai coupé tous mes browsers pour économiser de la RAM. Je fais ça tout le temps alors que j'ai 16 gigas, mais c'est pas grave. Tu vas pas kiffer pour Sekiro, poteau. Au pire... Enfin, j'ai envie de dire, c'est Whisky qui joue. donc moi, de mon côté, je suis relativement tranquille. Alors, on va charger notre beau commandant lieutenant, Gilles, et par balle. Et voilà, Drug Lab. Donc, il reste 3 missions. Le briefing. Je vais fermer ta gueule. Oh, dis donc, je suis en train de mourir. Ah, tiens, j'ai perdu ma glotte. Alors, apparemment, il y a un Drug Lab dans la rue Tovanen. Il y a plein de trucs, c'est chaud, c'est un appel anonyme qui a dit qu'il y avait un drug lab quelque part. Apparemment c'est le clan Stetchkov qui s'en occupe, on s'en fout, donc on va y aller, et puis voilà. Ça c'est le plan, donc voilà, c'est... Waouh, vous auriez pu juste me dire fonce, parce que là je comprends que dalle. J'ai même pas... Backyard, et on rentre par où, nous? On rentre par là? C'est ça, front door? On rentre par là, ok. On va rentrer directement dans un truc, j'ai l'impression que c'est une espèce de comptoir, ça, non? Ou alors c'est une petite pièce en rab? En tout cas, il y a 3 portes. Il va y avoir 3 portes juste là-dedans, sans compter la porte d'entrée. Ça va être compliqué, les gars. Alors, je veux qu'on entre. On fait une passe triple. Vérification de tous les côtés. 360 degrés chacun, d'accord? 360 x 4, ça fait 3600. Et du coup, cette fois-ci, bas les couilles, je vais prendre... Oui, c'est ça, je m'étais mis en facile. Alors, attends. Là, c'est compliqué, là. Est-ce que je me mets en facile? Et le truc, c'est que même si je fais un 0, j'arriverai quand même à la prochaine mission. Ou alors, est-ce que quand même, je continue à faire en normal? C'est-à-dire essayer de respecter les protocoles, la convention de Genève, les conventions, etc., quoi. Voilà, c'est savoir, parce que en easy, je peux me permettre de bourriner, mais... Normal au départ, s'il s'agit trop, go facile. Ok. Bon, on va essayer en normal. On va essayer de rester en normal. Je vais rester avec le P90, du coup, en full metal jacket, parce que je pense que les gars qui seront là-dedans seront certainement armés et bien armurés. De toute façon, dans tout le DLC, tu sais, la mission d'avant, c'était des mecs qui gueulaient à propos d'un groupe de rock. Ils étaient tous en tenue terroriste. ça. Ouais, c'est pas mal. Du C2 et mon CAX. Eh bah, écoute, je pense qu'on est bon. Les conventions de Genève, c'est pas juste pour le canton de Genève. Si, c'est certainement d'ailleurs. Comment? Yeah. Et voilà, c'est la nouvelle alerte, ça, mon gars. Je suis super content. Merci beaucoup, Vito. T'as réussi à me faire péter la nouvelle alerte. Je suis heureux comme tout, quoi. Il fallait juste ça pour passer une bonne journée. Il fallait du bon GTA 3, quoi. Stay with me. Ok. Behind you. Donc le Drug Lab, c'est une maison en campagne, très bien. Attends, pourquoi ma souris elle est aussi sensible? Qu'est-ce que c'est que ces patacouèques? Ça a rien changé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? J'arrive plus à bouger ma souris. Attends. Là?
Putain, mais je comprends pas, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Ah, là. Ouais, c'est encore un peu sensible, mais c'est pas grave. Alors. Ok, on va juste essayer de faire le tour juste avant pour être sûr qu'on n'a pas de connards qui vont nous rentrer dans le cul. Parce que ça, c'est pas dit. Oh là là. Oh putain, c'est ouvert. Alors, il était sur le point de se rendre, je crois. Mais écoute, un terroriste, c'est un terroriste, on va pas commencer à... Si vous êtes sûr que ça va, qu'est-ce que vous avez foutu? Vous avez tué quelqu'un? Bande de fous. Je crois que... Qui c'est qui... Ok, ok, j'ai un brise... Regarde où j'ai pris les dégâts en bas à gauche. Clear it. Move. Allez-y, clear it, parce que là c'est la merde. Je crois que je l'ai eu au fond. Je crois que je l'ai eu, hein. Let's roll. Allez. Attends, parce que y a une chanson qui me casse les couilles là. Est-ce que tu peux virer la musique? Voilà. C'est bon. Reynolds. Ouh. Oula. Yeah. Yeah. Ah. Donc lui ça va? Bon, lui ça va. Ah, il y a un truc aussi qui est rajouté par le mod à la fin, donc je vous ai pas trop parlé du mod que je vais vous montrer à la fin du jeu, mais il y a un truc qui est rajouté, c'est que les gens peuvent mourir à cause du taser. Donc ils ont rajouté ça. En gros, si tu tases un vieux ou quelqu'un qui est blessé ou un truc comme ça, tu peux lui faire une crise cardiaque. Et ça rajoute plein de détails comme ça qui sont super cool. Je crois que j'ai buté dans une arme, non? J'ai entendu un petit plouc. Attends. Je peux plus courir, d'accord. Oh là, ça va être très long, ok. Merci beaucoup Torten pour le resub aussi, ça m'a fait super plaisir. Par contre, il y a eu deux fois de suite l'alerte GTA 3, j'espère que ça va pas niquer toutes les autres alertes. On verra ça plus tard, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas trop important. Bonsoir. C'est quoi? C'est de la merde ici. Okay. Ouais, couche-toi. Oh l'autre, il se la joue, ouais. Mais évidemment, il est... Écoute, c'est normal, j'ai envie de dire c'est normal. Je déteste le P90, on va se remettre au Colt, parce que je déteste le P90. On va prendre de la tête creuse en plus. Voilà. Un mode, celui qui rajoute des pièges, des NPC de plus grande interaction avec les différentes armes. C'est ça, ouais, Absolo, c'est celui qui s'appelle, je crois, Special Elite Force. Et oui, c'est celui-là. Ça rajoute la possibilité, par exemple, de demander à ce que ton équipe breach la porte, mais que tu puisses rentrer tout seul dedans. Et ça, je trouve ça relativement intelligent, genre, tu peux rentrer en tant que leader, c'est-à-dire que maintenant que tu demandes à un mec de flash l'appartement, ou n'importe quelle pièce, c'est eux qui rentrent en premier, et là, avec le mode, non, c'est plus obligé. Du coup, ça, c'est plutôt pas mal, ça rajoute, ouais, des NPC, ça rajoute de la psychologie sur les ennemis, ça rajoute des armes en plus, etc., etc., et ça a l'air vraiment, vraiment cool, mais je suis surtout assez hype de revoir les pièges, parce que c'est vrai que les pièges, alors attends, parce que là, c'est vraiment super compliqué ce qu'on a, là. At your back, Jack. Ouais, mais ça me plaît qu'à moitié. Franchement, ça me plaît qu'à moitié. Salut, Xuxu. Alors, on va essayer de faire le tour un peu mieux. J'ai pas envie trop de rentrer là dans les coins où c'est complètement ouvert avec le garage et tout. Allez, venez, les copains. Vous venez. Regarde-moi cette bande de cons. Eh ho. Eh ho. On tire sur les gilets jaunes. Et donc, ça, c'est une entrée supplémentaire, c'est ça? On a le choix de rentrer par ici aussi? Ouais, c'est nous, ça. Pourquoi ils ont foutu un camion alors qu'il y a que cette équipe? Tiens, allez, les mecs, on se casse. Vous êtes où? Bah, les mecs? Oh, putain, les mecs, ils veulent vraiment pas faire de blagues, quoi. Allez, venez. Oh, la petite mob, elle est super sympa, dis donc, ouais. Oh, dis donc. Regarde-moi ça. Elle a les roues presque rondes. Ok. Il y a un bruit de laser, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, je vais augmenter un peu le... Mais ça me saoule, il y a un bruit de musique en permanence. Ça, c'est un bug que j'arrive pas à régler. On entend la musique en permanence. Fait un bruit de taser anti-moustique. C'est quoi ce bruit? Ok. Allez, Gago. Open and clear, juste. Open and clear. Pour l'instant, c'est tranquille. Je vais juste garder les yeux sur cette ouverture-là. Non, mais c'est pas une ouverture, merde, c'est la salle à la con. Là. Go, 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 go.
No visible threats. It's clear. No visible threat. Il y a aucune visible threat, donc on est plutôt tranquille. Est-ce qu'on va croiser l'autre con là-bas là? Directement, directement, on claire là-bas, on claire là-bas. Tout de suite, tout de suite. Let's move. Tout de suite. So far so good. Trailers moving. Ok, c'est clear. Putain, c'est super ouvert partout, je déteste ça. Y'a quoi par ici? Oh là 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 là. Get in and clear. Allez, move and clear. Okay, on continue, move and clear, move and clear. Moving, go. No visible threats. Ça c'est un petit KGB. Room clear. Oh là là, il y a un escalier ici, c'est la merde, c'est la merde. Bon, déjà tout ça, c'est libre. C'est pas mal. Venez avec moi les copains. On va avancer un petit peu. On va essayer déjà de voir tout ce qui est ouvert, les couloirs, etc., etc. Comme on dit. Attends, attends. Ok, ça revient ici. Ok, j'ai aucun sens d'orientation. C'est bon les mecs, j'ai aucun sens d'orientation. J'ai déjà oublié c'est quoi la maison. Qu'est-ce que c'est qu'une maison d'ailleurs? Quel est ce concept? Tu sais, nous chez les communistes. Ok, donc ça c'est par là qu'on est rentré. De l'autre côté, il me semble qu'il y a le salon. On va essayer de voir s'il y avait un enculé comme tout à l'heure. Allez les gars, go. Oh, il y a une petite salade. Ça dérange à personne si je prends la petite salade. Pourquoi il y a du sang par contre? Ok. No contact. Eh bah écoute, no contact, on open and clear juste alors. Go go go. Time to move. So far so good. Moving on. C'est bon. Non, ça m'a l'air définitivement bon ce coin. Hein. Ils sont tous barrés ces cons là ou quoi? Ils ont déménagé depuis qu'on a joué ou quoi? Ah, il est là Sierra. D'accord. Sierra est dans le coin. Ok. Donc là il y a une double porte. Fais voir un truc. Front yard. Nous on était là. Backyard. Et donc là la grosse porte mène à une énorme. C'est ça non? Non pas du tout. Non pas... Je suis en train de me gourer. Attends. On est rentré par là. Je sais pas. On y va. Mais non non non. Go. Pas juste rouge. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est bien. Moi je vais me cacher derrière ce canapé. On va être bien. Canapé par balle. C'est un canapé russe hein, donc. T'aurais pu lancer plus loin. Putain Jackson. Déconne pas mec. Il s'est fait déchirer, je les ai même pas vu bouger mec. Ils ont fait une live on cliff. Ils l'ont chlassé sans même que je les vois bouger quoi. Personne a pris de dégâts là? Putain, ils ont pas pris de dégâts. Ils l'ont défoncé et ils l'ont même pas tué. Pourquoi je suis là moi? Là par exemple dans le mod, il est mort. Ok, allez venez les gars. Regroup and stand by to move. Va falloir de toute façon qu'on fouille absolument tout. Non, tu sais quoi, miroir sur la porte. Dis-moi qui est la plus belle. Vite. Par contre, il me saoule. Ferme ta gueule. Chut. No one in sight. No one in sight. Eh ben go alors. Open and clear it. Go. Tu peux les battre à mort dans le mode. on verra. Putain, mais on entend fort en plus. Comment ça se fait? J'ai l'impression qu'il. Master Shooter. Et il est même pas mort. Ah non, si, il est mort. je me disais, ça fait beaucoup de bol pour un stream quand même. Ok. C'est quoi? Il a des AK-47. Là, franchement, c'était un Master Shooter. Il s'est mangé 9 balles. Il s'est mangé 9 balles dans la gueule. Du coup, il est plus qu'incapacité, lui, j'avoue. Ah, c'est fermé. Tiens donc. Bridge bank clear, parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière, et ça m'énerve. C'est pas très dans les règles. Si. Allez, les gars. J'adore le C2. Je trouve ça poétique de péter une porte avec un explosif. Je crois que c'était juste un couloir. No visible threats. C'était littéralement juste le couloir où on est rentré tout à l'heure. Ah, il s'est fait flash du coup. Le pauvre, il peut vraiment pas avoir une blessure tranquille. Eh bien, venez les poteaux. Bon, je vais essayer de la bridge tout seul. Ils ont tiré avant moi. Les mecs, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai l'impression que c'est littéralement Livan Cliff quoi. Ouais, bon, pour l'instant, on a tout sécurisé, c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi vous êtes autant vénères aujourd'hui, les mecs? Je les ai jamais vus aussi rapides. J'ai ouvert la porte, il avait... Genre, direct. Ou alors, peut-être qu'il a essayé de m'assassiner et qu'il a loupé. Je rêve. Attends, y en a un qui est en train de se... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, merde.
Voilà. Non, je crois pas, non, je crois pas, non. Couchez, 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 couchez. Ok, impeccable, impeccable, impeccable. Allez, chopez-le moi là. Foutez-lui votre matraque dans le cul. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ça votre jacuzzi? C'est ça que vous appelez une fondue? Mais non, mais c'est. L'IA est même pas améliorée, pseudo. Je suis même pas en train de jouer au mode là, je suis en train de jouer au jeu de base. Lui c'est pareil, il est même pas mort en fait. Si? J'arrive pas à me rendre compte. Bouge un peu pour voir. Je sais pas. C'est même pas l'IA améliorée là. Je crois qu'ils sont juste tout à fait vénères. Ok. Fuck it, il a dit. Putain, ils ont une belle cathodique là. Tu joues à la GameCube là-dessus, t'es tranquillos. Ok, je pense qu'ils sont en bas. On va continuer quand même à clear dans le coin. On va clear l'étage. Ah. Bah si, t'as une kleine porte. Comment on dit porte en allemand? Kraftwerken. Allez go. Fais-moi péter ça au C2, fais gaffe à ce qu'il y ait personne derrière quand même. Ok, ça c'est bon, ça mène dehors ça, c'est ça? Ça aussi c'est fermé, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attends, on va plus avoir de C2 si on continue à ce rythme-là. Ça nous a déjà coûté 2 kilos de C2, alors... Bon, c'est bon, t'as fini? T'as réussi? Oula! Nani? T'as une plante? Pourquoi il y a des petites plantes? Mais pourquoi ils font pousser des fougères? C'est des herbes aromatiques. Oh, ils font pousser du basilic. Rue, il y avait un mec à l'entrée. Ah bon? Il y a un gars au sol. Comment ça, il y a un... Donc il s'est pris le C2 dans la gueule. J'avais même pas vu le mec qui s'est pris le C2 dans la gueule. Bah alors Help me, il dit. Tiens, lèche mon cul. Oula, ok. Je me disais aussi, en fait, je pensais que le son du mec buguait. Je pensais que c'était lui là-bas, là. Mais que le son buguait et qu'on l'entendait fort. Mais non, en fait, on en a pété un avec le C2. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va, toi? Tiens, je te mets. Hop, voilà. Comme ça, il est tranquille. Il a mangé la porte en pleine gueule. Oui, et il a eu de la chance de pas être mort parce que des fois, ça tue. Et dans une mission comme ça, j'ai tué un otage sans faire exprès comme ça. Ça arrive tellement souvent, si tu veux, que... Ok, ça c'est bon. Je vais balancer un petit coup de miroir là-dessus, puisque j'ai aussi un OptiWand. Il faut limite, en fait, que je me foute uniquement à moi l'OptiWand, parce que des fois, il trouve pas de mec, alors qu'il y en a clairement un. Ok, alors ça c'est bon. On a niqué tout l'étage, c'est pas mal, et je pense qu'il y a qu'un accès qui mène au bas, c'est Ouba Ouba, le marsupilami. Je pense que c'est cet escalier. J'ai encore pas mal de cours avec l'orthophoniste, alors ne me... Russian, il met une fuse. Alors, Arcana, tu déconnes, mais complètement. J'ai ruiné un nombre incalculable de parties avec fuse quand je jouais encore à Rainbow Six. Mais depuis, j'ai grandi. Je joue à Fortnite. Non. Ok, on va juste clear le couloir tranquille avant qu'on ait fini. Vous me suivez, bande de cons? C'est bon. Bonsoir. Allô? Ok. Ok, y'a que des caisses, les mecs, y'a que des caisses. J'ai l'impression qu'il y a une grosse pièce au milieu. On n'a pas du tout de plan ouais. Non. On n'a aucun plan du souterrain, donc il va falloir y aller un petit peu, comme on dit, à la... merde. Empirique, ça va être empirique, hein, comme découverte. Il fait weird. Ok, il y a un enculé, deux enculés. Oh là là, j'aime pas du tout la forme de cette pièce. Je vais aller voir les autres pièces avant. Vous pouvez rester là, s'il vous plaît. Tiens, voilà, restez là. Understood. Moving. In position. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une espèce de grande pièce qui parcourt tout le tour du souterrain, et je déteste ça. Parce que ça veut dire que, quelque part, on va... Ouh. Donc là, il y a deux civils, j'ai l'impression. Et bah, tu sais ce qu'on va faire? Yes. Stick a wedge there. Here we go. Si quelqu'un peut le faire, alors regarde moi ces trois cons là. Hachoum, Grincheux, PD, je sais pas quoi là. Allez. Allez. Mais allez. Voilà. Avec moi les gars.
On rentre, on n'a pas de gaz. T'es sérieux? Bon bah Sting, hein. On rentre et on Sting. Allez go les gars. Copy that. Pourquoi vous êtes que 3? Non c'est bon. Il a fait un jutsu de multiplication le dernier, on est bon. Ok. Suspect spotted. Ok, ok. Il est même pas mort non plus, mais c'est génial. Et on a très bien fait de pas avoir de gaz parce que celui-là avait un masque à gaz, il nous aurait plombé le cul. Attends, et ça va niveau son ou quoi? C'est pas trop fort? Ok. Heureusement qu'on n'avait pas de gaz parce que sinon je pense qu'on aurait eu un mort. Si c'était pas moi, ça aurait été qu'un qu'à l'autre. Ah, il y a quand même une façon de rentrer ici en fait. D'accord, donc en fait on a eu énormément de chance. Je vois. Et ben on va fermer ça parce que j'ai vraiment pas confiance. Est-ce qu'il faut le ramasser ça? Non, c'est des outils. Ok. Fall in on me. Non létal. Eh ben c'est non létal. Non, c'est pas non létal, c'est moins que létal. D'ailleurs, dans le mode, quand tu tires avec le fusil à pompe moins que létal, à bout portant, tu les tues les mecs quand même. Et je pense que ça va être plutôt marrant. Je pense qu'il n'y a rien de l'autre côté, mais on sait jamais, vous allez breach et clear quand même. Open and clear d'ailleurs. Copy. On it. Arrête de jouir toi, tu peux arrêter deux minutes toi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Go 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 go. No visible threats. Personne? Personne? Ok, personne. It's clear. Area clear. J'ai l'impression qu'il n'y a personne ici non plus. J'ai bien fait de foutre le wedge là, on sait jamais. Je vais passer le coup de miroir, mais normalement ça devrait être peut-être la grande pièce avec les otages. À moins que je sois un peu moins. Si c'est ça. Si ouais c'est ça. Ok. Alors là mon gars. Red, on my command. Ready bang. Open and clear. Check. Là mon gars, ça va tactical de ouf. Venez les gars. Blue team, behind me. Roger. Moving to you. Ça va tactical, mais à un niveau. Vous avez jamais vu autant de tacticoulisme. Hop, ça ici, open, et puis bah bang clear, pareil hein. Open and clear, bang it. On it. Vous êtes chaud là? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. On est bon? Allez, on est bon, go. Move it! The police are here. Perfect execution. Impeccable, impeccable. Impeccable, c'était très très propre. Très propre, très clean. Bon bah alors ça c'est fait, maintenant il reste la grosse pièce au milieu de la salle. Non, ici les gars, ici les gars. Ouais, B44, merci d'être passé mec. Fall in. Venez les gars. Ok, c'est bon. Je reprends, c'est peut-être tout à l'heure. La bisette, ouais, la bisouette, la bisouette, je sais pas, j'invente des mots, j'invente du breton. J'ai l'impression qu'il y a personne là, mais j'ai vraiment pas confiance. Oh putain, tu m'as fait peur. Oh putain, je me suis chié dessus. You're in my spot, sir. You're in my spot, va niquer ta race. Vas-y, passe un petit coup de miroir au cas où tu vois mieux que moi, mais j'ai vraiment pas confiance. J'ai l'impression que au fond de la pièce, il y a un passage à droite. Qu'est-ce que vous faites, bande de cons, là? Allez, là. Putain. Miroir, beau miroir, qui est la plus belle? J'ai senti tes mouvements de peur de chez moi. Ouais, bah oui, non, mais là, j'étais pas bien. Bon, bah, open and clear. Hein. Ça devrait être tranquille. Let's go. Hands in the air, get down. Et bah voilà, j'ai tiré dans l'herbe, ça a rien fait, j'ai mis une balle à mon pote, il l'a buté. Il l'a même pas buté, il est en capacité, par contre je suis désolé Reynolds, c'est lequel, c'est toi? Je suis désolé mec, le mec il est passé, ça fait un petit pfff, aïe. C'est normal. 77 sur 100, ça s'est passé super bien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus galère, mais ça s'est passé super bien. Maintenant, c'est un métro, c'est ça? Oh la vache. Oh là là, station de métro, ça va être galère ça. Ok, ferme ta gueule. The shit has really hit the fan. Two gangs, one of them definitely the Stetchkov, going toe-to-toe with the Fresno Street subway station. Ok, apparemment, les Stetchkov sont en train de se latter avec un autre gang dans une station de métro. C'est jamais super bon. Wilkins a été appelé sur place. Il y a au moins 10 individuels avec des assault rifles.
Ça, c'est pas bon, ça. Et des body armor. Ok, donc ça va sortir le FMJ, là, direct. Ok. Donc, ils vont être armés, ils vont être bien protégés aussi. Et maintenant, d'accord, il y a, dans les tunnels de maintenance, dans les toilettes. Ok, ça va être vraiment la merde, quoi. Ok. Oh là 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 là. D'accord, donc on a que le plan là, très bien. Je pense qu'il va y avoir plusieurs étages en plus. On va partir au niveau 1, tranquille. Hein. Ça va finir en boucherie BF3. Voilà, oui, clairement. Hein. Sexe, mâle, descente, caucasien, c'est quoi, c'est qui? Ah, Georgiev, ok. Et Georgiev, c'est un des gars qui est en train de foutre la merde, d'accord. Et il fait partie du clan. Très bien, très bien. Et bah écoute. Nani? Vas-y, Slos. T'assistes à une grosse Soul Trifles. Oh, oh putain, là, ça va être bien, là. J'ai l'impression que le taser a plus de portée que le Cobra. C'est vrai ou je suis con? Ou le Cobra, il est juste mieux en toute situation? Je vais tous vous foutre. Toi, tu vas garder ton slug. Vous allez tous prendre du FMJ parce que là, j'ai vraiment pas confiance. Je pense qu'ils vont être tous très bien armés. Et en arme secondaire, tu vas me foutre un petit taser. Juste toi, les autres, vous allez rester... En tête creuse. Attends, j'ai mis deux tasers. Ouais, c'est pas la peine d'avoir deux tasers. Tu vas reprendre ton Colt en tête creuse, voilà. Et moi j'ai un taser aussi, on est bon. Ok. Je pense que le Cobra il doit être juste mieux que le taser hein. T'as un lance-grenade? Ouais, j'ai un lance-grenade, ouais. Mais il est... Enfin... Le truc c'est que... Ouais. Je pourrais y aller au lance-grenade, mais j'ai quand même envie de tester le Colt, là. On verra l'affaire-head si on essaie le lance-grenade après, d'accord? À la mission d'après. Pour l'instant, j'ai envie de chasser de l'enculé avec mon sniper, là. J'aime bien le principe. Un lance-grenade moins létal. Ouais, on peut dire ça. Ok, donc c'est la map de Max Payne 1. J'aime bien, j'adore Max Payne 1. Max Payne 1, qui est d'ailleurs extrêmement dur. Contrairement à ce que les gens disent. Ok, on est chaud. Attends, il y a des trucs là. Dean of the Dead. Ok, ça on avait vu. Shaolin Cyborg versus Ninja Pirate. Ouais, ça on avait vu aussi. The Sorcerer. Et D2K2. The Immunity Bug. Je regarderai tous ces films sans problème. Ça me poserait aucun problème. Ok. Alors, j'aurais peut-être dû prendre du gaz avec moi, mais c'est pas grave. On va essayer ailleurs. Blade de Lidl. Dans le mode lance-grenade, tu peux l'avoir en arme secondaire. Ah, nice. Faudrait que j'aille voir ça. Max Payne 2, il est chaud aussi. Bah, j'ai trouvé moins chaud quand même que Max Payne 1. Max Payne 1, il y a vraiment des moments où il a fallu que je... que je save scum, quoi. Ok, y'a personne? Ça ne perd? Ça ne perd ici? Ok, on est bon, ok, on est bon. C'est du all clear, c'est du all clear. Et j'ai pas de lampe torche avec mon truc. Il est mort, lui il est mort. Putain, c'est des Bulgares en plus quoi. Ils sont encore pires que les Russes. Les Bulgares, c'est plus ou moins des Russes leader price. Roger. Qu'est-ce que vous faites? Attends, ils sont en train de s'amuser sans moi. Attendez les mecs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faisiez? Bah les gars, attends, il y a moins qu'un maintenant, vous êtes tous là. Qu'est-ce que vous foutez, bande de cons? Vous avez buté un mec? Qu'est-ce qu'il foutait? C'était qui? Attends. Watch out. T'as eu extrêmement de chance. Par contre, tu te couches, toi. Par contre, tu te couches. Voilà. I'm just a passenger. Ouais, ça me plaît pas, moi. I'm just a passenger. Tiens. J'ai failli te foutre une balle parce que c'est sa merde à chaque fois avec ce truc. Voilà. My husband. C'est pas ça que je voulais faire. Attends, il est pas mort? Lui, help. Lui non plus, il est pas mort, dis donc. C'est génial, hein. Et eux, ils sont encore complètement... voilà, ils ont pas pris de dégâts. Ah bah oui, attends, il y en a un là. J'ai l'impression qu'ils sont immortels, mes potes, là, dans cette partie. Je sais pas ce qui se passe, mais ça me plaît. J'ai cliqué sur la souris par réflexe en voyant la nana. Ah. Oh, c'est un suspect.
qu'il est en train d'agresser les honnêtes américains. Ce que je voulais voir, c'était la touche pour le zoom. Zoom, zoom, zoom. Yeah, zoom, 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 zoom. Voilà, middle mouse, j'en ai pas besoin autrement. Waouh! Oh putain! Le ghetto du truc! Ok, les gars, vous allez rentrer bang pendant que moi je vais le schlass pendant qu'il va essayer de venir chercher la merde. Par contre, vous mettez pas devant parce que ça risque de chier, hein. Ok? On fait comme ça. Je vois plus rien, mais c'était complètement worse. On est bon? Reynolds, I'm clear. J'ai l'impression qu'on est bon. J'arrive plus à courir. Est-ce que mon perso est... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est juste un suspect. C'est pas un terroriste. Lui, c'est un gros terroriste. Il s'en est pris une. À un niveau, mais cosmique. Ce mec, je l'ai Thanos snap, quoi. Lui, il a mangé aussi. Et lui, c'est juste un civil. Ok, très bien. C'était pas Master Shooter, mais ça a marché. Mais c'était complètement Master Shooter. Et soit il a une voix super, super profonde. Soit il rotait en parlant. Est-ce que lui mettait... You never change. Zoom zibi. Zoom zibi bop. Ok. Alors voyons voir. J'ai l'impression que c'est un civil, ça, non? Zoom zibi. Ouais, j'ai l'impression... Regarde, c'est Bill Cosby, ça. Un peu, non, ouais, moyen. Il fait un peu plus latino que Bill Cosby, mais... Zoom zibi. Open it. Go when ready. Oh. Copy. On it. Qui rigole? J'ai entendu du rigolage. Zoomity bop. Time to hold your hands up and get down. No trouble for me. Planquez-vous les gars, planquez-vous les balles. Je vois rien. Elle est bien votre petite chanson les mecs. Stay down, motherfucker. I'll fucking shoot you. Drop your weapon. Get those hands up. Ça va? Dans le foie, mon gars. Ok. But I didn't do anything. Bien américain, tiens. Ok, j'ai l'impression que ce niveau est relativement quand même filiforme, non, comment on dit En tout cas, il l'est. Ok, on gogo doucement. Wait me up. Oh, on va pas y aller tout de suite. Attends. Vous avez mangé ça? Parce qu'il y a un connard là-bas, je l'aime pas là. Drop the weapons! Stop shooting! Stop shooting! Découpe! Oh, il y a une arme là, j'avais oublié. Ok, lui il est bon. Oh bah non, c'est qui a pris? Oh, c'est Fields! Dis donc, d'habitude c'est. Il est où? D'habitude c'est lui qui prend. J'irai! Et là c'est Fields qui a mangé. Lui il est mort. Bon ça va, il est mort avec l'honneur de tuer un bulgare quand même, c'est ce qui est plutôt tranquille. Ici y'a rien, on est d'accord hein. Là y'a plein de portes, oh putain j'aime pas ça du tout. Je sens qu'on va se paumer encore des années. Mais t'es mort ou t'es pas mort, je comprends pas. Prime sur le sniper. Je serais shield sur Ready or Not. Je sais pas trop ce que je jouerais en principal sur Ready or Not. Oh. J'adore ce truc. Y'a pas à dire tirer dans le dos des gens, c'est vraiment marrant. Hein. Y'a un côté vicelard que j'aime énormément. Ok, lui il se rend. Entry team to talk, the perimeter is not secure. We still got trains going through here for Christ's sake. Roger that, entry team. Talk, this is entry team. Ouais, c'est vrai que c'est la merde parce qu'il y a encore des... Ouais, y'a encore des trains qui passent et c'est plutôt négatif quand t'es en... Ouais. D'accord. T'as rigolé en Mr. Krabs, c'était rigolo. Mais mon petit Jiraiya. Bah c'est simple, on va attraper les terroristes. Mon petit Bob.
C'est un mix entre Mr. Crab et Fisk quand même, hein. On reste là-dessus, mais... A-bomb, main room... Ah, c'est la même affiche que tout le temps, d'accord, très bien. Bon, il y a la réutilisation d'assets de ouf hein, dans le DLC, mais bon, écoute, c'est un DLC de 2006, ça compte pas. Ok, j'ai l'impression qu'il y a rien ici, mais quand on va rentrer, on va tirer... Si on voit des têtes, quand même, on sait jamais. Regarde. Coucou! Ça va? Lui, il a un capacitatède, lui? C'est un otage, ça? On dirait un personnage de Reservoir Dogs, un petit peu, mais... Enfin, c'est Mr. Pink. Ok, on va essayer d'aller là-bas. Ouais, mais là, franchement... Là, franchement... J'ai bien fait. Quelque part. Non, même pas headshot, je lui ai tiré dans le cœur. Il a rien senti. Il a couru, s'il avait rien... Get down, hands in the air. Hey, j'ai bien fait de mettre des balles chemisées, hein. Mine de rien. Oh mais alors lui, putain. Je vais lui faire vivre un enfer. Là, ça va être la grande décarade, ça va être le massacre. At your back, Jack. Oh putain. Bullet through your head. Decapitation. Drown. Shot in the head. Gun down. Overdose. Mais il est où ce con? Attends, mais c'est qui? C'est Didier Gustin, c'est David Copperfield, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Est-ce qu'il a fermé la porte derrière lui, le mec? Alors, voyons voir. Ah, il a un pote avec lui, j'ai l'impression. Non, où il est tout seul? Ok. Bon alors, on va rentrer, on va faire un flash parce que j'ai l'impression qu'il est de notre côté. Enfin, notre côté, dans notre visu, en fait, quelque part. Et ça va se faire comme ça, hop. On va sortir ça. Je vois rien. C'est bon, X-Rank. Celle-là, elle est cadeau, ça c'est juste pour les bonnes contusions. En haut de l'escalier, c'est pas clair du tout, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de se barrer, du coup c'est plutôt positif. T'inquiète pas. Oh fuck! Putain! Mais la vache! Mais mec! Roger, keep it up. Oh, oui, c'est celui qui a couru en plus, c'était le lâche! Ah, et il y a un bruit d'arme, non? Je suis à combien là? 22 sur 23, 12 sur 15. Ah, j'ai peut-être loupé quelques armes. Peut-être falloir qu'on refasse un tour juste après parce que j'ai dû peut-être louper des armes. Non, on verra plus tard, vous inquiétez pas. Tout va se faire, tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Il faut pourtant que l'on vous dise... Ok, là c'est fermé, on est tranquille. Là-bas, j'aime pas trop mes chances, là. Il l'a mérité, celle-là. Oui, là, il l'a mérité, en plus, il s'est pété la gueule dans l'escalier, ça, pour un lâche, c'est génial. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment mangé pour toute une génération, là. The man who suffered for a generation. Tonight on ABC The Walking Dead. Ok, voyons voir. Putain, je vais boire un petit peu de coca. J'aime bien le bruit des bouteilles en verre. Ça, c'est une autre rame de métro face à un autre quai. Et pour l'instant, j'ai pas trop envie qu'on s'attaque à un autre quai. Je vais plutôt aller voir l'autre porte avant. Voir où ça mène cette connerie. Je pense qu'on a tout fait en souterrain. Il me semble qu'on a rien d'autre à chercher en souterrain. La salle des machines, elle était complètement rectiligne. Ici, on sait jamais. Ça a fait un mini prout. Merci, Waffle. Ok, allez, go, j'y vais tout seul. Y'a aucune chance que ça tourne mal. Aucune. Ok, on est bien. Fall in on me, my friends. Don't be dicks. Ok, quelqu'un aurait pu tous nous shooter ici, mais c'est bon, ils sont cons. On est plutôt tranquille de ce côté-là. Faut vraiment pas me filer un sniper silencieux à gros calibre, hein, parce que ça finit tout le temps mal. Je sais pas pourquoi ils se rendent pas compte, les mecs. Bonsoir.
qui est ça? Allô? Allô? Il y a des ennemis? Je sais pas si. Putain, ça c'est la. Quoi? Où ça? Allô? Aïe aïe! Put your hands up and get down! Suspect. Suspect neutralized. Toi, tu vas fermer ta gueule? Il est muerto en plus, il est même pas incapacito, il est muerto. Decapitao! J'entends des bruits partout, des mecs qui courent, des portes qui s'ouvrent. Je suis vraiment pas serein quoi. Ça fait cric-crouc quand je marche. Ah, c'est dégueulasse, c'est des cafards. Ok. Rouge, faudrait que tu restes ici et que tu couvres en fait. C'est quoi? J'ai vu quelqu'un là, non? Non? Ou alors à la limite, faudrait qu'on clear en haut. Avant de continuer à clear en bas. Ouais mais c'est chaud, bon attends, on va voir. Il est mort incapacité donc ça va. Quoi, suspect is visible? Pourquoi je l'ai pas vu moi alors? Comment t'expliques? Où ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde hein. Parce que je comprends rien. Ça va beaucoup trop vite pour moi. C'est un ennemi lui ou pas? Non, c'est un civil ça. Non, c'est un civil. Oh là 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 là, là. Ça commence à partir à volo. Ça part à volo là. Hein. C'est quoi ça? C'est un ennemi qui a mangé ça ou quoi? Bah c'est où ça? J'ai l'impression que je reconnais. Ah oui, c'est au début. Ok. Okay. J'ai l'impression que je reconnais. Le mec il a chopé Alzheimer à 26 ans. T'sais. Ok. Allez venez les gars. Bon, on a perdu deux quand même. Hein. C'est quand même mauvais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, s'il fallait forcément qu'on soit tous vivants à la fin, il est où l'intérêt? Y a plus le piquant derrière, quoi. J'ai du FMJ, moi, je crois. Open her up, stay in clear. Come on, boss. Oh merde, j'ai mangé. J'ai mangé de ouf. Mec. Oh. Oh là là. Et tous les deux ils sont incapacités mec. Oh j'adore. Ok. J'ai eu les deux. Oh c'est génial mec. C'est super. Ok. Ah, c'est fermé en plus. Ok, d'accord. Donc, y'a rien d'autre ici. Les pauvres, ils sont en train de gémir leur grosse race. Ok, allez, venez, les gars, on se casse. Regroup on me. Ah, là, c'est un master shooter si j'en ai vu un. Bring order to chaos. Ah, c'est la merde parce qu'il me manque des armes qu'on n'a pas pris. Et apparemment, il y a des civils encore qu'on n'a pas tout à fait éliminés. Mais normalement, il n'y a plus personne. Normalement, il n'y a plus d'ennemis. Donc, on va aller visiter. Merci Azélia, désolé, j'étais un peu concentré, je me suis chié dessus, normalement il n'y a plus d'ennemis, mais apparemment bah, je vais aller me faire enculer tout simplement. Hein. Salade de fruits à la con. Oh putain. Ça aurait pu vraiment super mal finir quoi. Ça aurait pu tellement mal finir. Oh des donuts. Tranquille, ils savaient qu'on venait. Oh putain. Et pourtant quand il dit... Ah non, justement, bring order to chaos, c'est qu'il y a encore des connards. Ah oh, merde, le con. La balle qui part totalement ailleurs que l'axe du canon. Ah bah oui, ça c'est clair, il y a un petit peu de random, sinon c'est un peu facile. Là, on était rentré déjà, je crois, non? Attends, on va voir. Alors, plus en plus, j'ai mangé dans les bras, du coup, je vais même pas être aussi précis qu'avant. C'est qui, ça? Non, ça c'est l'entrée, du coup, ça, on est bon. Ok. Mettez de l'ordre dans le chaos. Je vais mettre de l'ordre dans son chaos. Mettre du gentil dans son méchant. Ah bah non, je suis déjà venu ici en fait. Ah bah oui. C'est ici, bah on est tranquille. Et donc du coup, il doit manquer un civil qu'on n'a pas encore chopé, qui doit être en train de roam dans le coin. Ça va toi? Tranquille, tu passes une bonne journée? T'as, il ressemble à... Comment il s'appelait ce connard? Un mec de mon école. Tibère.
Il s'appelait Tiber, un mec dans mon école primaire qui s'appelait Tiber et qui était un sacré trou du cul. Comme Tiber Septime. Mais Septime évidemment, mais qui pompe de gros nerds de merde. Mais oui, comme Tiber Septime. Mais c'était un gros trou du cul. Qui c'est qui pleure? Ah, c'est toi. Ok. Allez, un peu de panache. Bon Dieu, attends, je vais lui foutre ma sonde dans le cul. Bip bip bip. Ouh. Oh, de la merde ce truc. Ok. Là y'a rien, mais du coup j'ai vraiment plus du tout confiance dans mes prédictions. Y'a un... Ah bah c'est qui lui? Oh Lyon. Hands in the air, get down. Mais comment... Ah oui, non, mais vous avez dû le schlasse quand j'étais pas là. Ah mais lui aussi il a une capacité, dis donc, vous faites de plus en plus du bon boulot vous. Et bah écoute, il va falloir qu'on vide ça parce que j'ai l'impression que c'est la dernière salle qu'on n'a pas encore tout à fait chopé. Moi je vais prendre cet accès là, on sait jamais. Oh putain. Entry team stock. We have a suspect down. Copy. Continue mission. Ouh loulou. Ok, il y a Jackson en plus, il a pris des balles. Jackson, il est pas tout à fait mort, mais il a quand même pris des balles, donc ça veut dire que déjà il va tirer moins bien. Et en plus, il a des chances qu'il se fasse buter au cours de l'opération. Putain, ça, c'est vraiment aller à volo. C'est dommage parce qu'on gérait bien le début. Ah, c'était dans les chiottes où ils sont. Le noscope. Ah, bah là, oui, il faut faire avec. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a que dalle. On ira voir quand même, mais j'ai l'impression qu'il y a que dalle. Et là, je crois que c'est un civil dans le fond. Ouais, c'est un civil dans le fond, mais on va quand même lui foutre une banque dans la gueule, on sait jamais, hein. On est. C'était pas un civil. C'était pas un civil. Ok. Bon bah écoute. C'était... Ouais, non, c'était pas un civil, on voyait pas très bien sur le truc, je suis désolé. Mais bon, écoute, ça s'est plutôt bien passé, et j'ai eu extrêmement de chance avec mon tir. Parce que ça, un tir comme ça, ça... Qu'est-ce que vous foutez? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que tu foutais là, toi, sale enculé? Oh la vache! Ah ouais, quand même, comme on dit, C-O-M-E-M-E. Oh la vache. Eh, heureusement qu'ils ont un M-Bot. Je sais pas comment on aurait fait. Hein. Bon, par contre, c'est un peu la demeure, parce que du coup, voilà. 24 sur 27, il me manque 3 armes que j'ai pas chopées. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de les choper quand même ou quoi? Parce que là, ça va me faire des points en moins, mine de rien, je vais me faire niquer. Hein. On dirait les SDF dans le métro, ils sont planqués derrière les bancs. Bah, je sais pas, moi, je connais pas le métro, moi. Je suis pas civilisé, moi j'ai pas de métro. Hein. On a qu'un tram. Moi ce que j'ai hâte de voir, tu vois, en tant que futuriste, c'est de voir les trams aériens, tu vois. Genre comme à Gotham City en fait quelque part. J'ai vraiment hâte qu'il y ait des villes qui commencent à foutre des tramways aériens quoi. Ou comme dans Spider-Man 2. Mais non, pas les avions, trop du cul, des rails. T'as déjà vu un avion qui roule sur des rails, toi? C'est 5 points par arme. Bah, je crois, donc ça fait quand même 15 points dans le cul. Et vu à quel point là, les conventions de Genève, je suis en train de pisser dessus, clairement. Hein. À mon avis, ça va me faire beaucoup de points en moins. Et ces 3 armes pourraient être la différence entre la réussite et la faillure. La déchéance. comment on dit? Le contraire de l'échec. Voilà, l'échec. Excusez-moi, hein, je suis tellement balèze que moi l'échec je connais pas beaucoup. T'as beaucoup de chance. Le ratage, oui le ratage ça marche aussi. Qu'est-ce que c'est que ce petit bureau ici là? Ah on est déjà venu ici. Tiens un cadeau. Donc il manque encore des armes que j'ai pas chopées. Où est-ce qu'elles sont? Vous souvenez-vous ou quoi? Est-ce que vous avez vu une arme quelque part? Non ici je l'aurais eu. Nanikore, en plus j'ai même pas de lampe torche, donc pour trouver les armes, ça va être une tannée, mais le truc... Get down! Put your hands up and get down! Un monorail. Le monocouille. Non, mais non! Non,
Non, je vous parle vraiment du métro aérien, comme dans Spider-Man 2, quoi. Comme dans le deuxième film X-Men Origins Wolverine, là. Enfin, non, je sais même pas si c'est X-Men Origins, mais tu sais, il y a un film où il se bat contre un genre de samouraï en adamantium ou je sais pas quoi, là, j'ai rien suivi au film, c'était de la merde. Mais il y a ça aussi, il y a un genre de métro aérien. Le métro dans GTA 4, ouais, voilà. Ah bah du coup, oui, à New York. Ouais, mais c'est pas si évident, ok. Y a pas d'armes là, y a vraiment pas d'armes. Pas d'armes, pas d'armes, pas d'armes. Je sais vraiment pas où elles sont, mec, ça va être la galère. Ça va être galère. Problème, c'est qu'en plus, si on réussit pas celle-là, du coup, il va falloir la recommencer. Même si je la mets en facile. Et là, je te dis, on a perdu deux mecs. Ça va me faire des points en moins. Tu vois, j'avais 77 sur 50 à la partie d'avant où il s'est passé quasiment rien de négatif. Ah ouais, j'ai mis une petite balle à Reynolds, mais bon, ça c'est pas grave. 77 sur 50 déjà, tu vois. Genre 20, à 27 points près, je l'avais pas le truc. Donc là, avec tout le bordel qui s'est passé, moi je me suis pris une balle dans les deux bras, je sais même pas comment j'ai fait. Il y a eu deux morts, il y en a un, il est blessé. Lui là, il est pas bien. Il y a vraiment... Merde, putain, c'est la calée, hein. Adieu les gommettes. Oh non, mes gommettes. Mes gommettes super chouettes, non. Quoi? Dans les chiottes derrière la porte. Dans les chiottes derrière la porte. C'était en bas, c'est ça? Dans les chiottes derrière la porte. Non, en haut. Non, c'était où? Merde, je sais plus. Bah attends, en bas? Oui, ok, en bas. Employees only. C'est vrai que j'ai pas regardé trop derrière les portes. Comment tu tiens ton fusil si une balle dans chaque bras? Bah, je suis américain, hein. Pas de problème, moi, hein. Une balle, je l'absorbe. Ça va? Regarde-le. Donc, je vérifie, hein, je note ce que t'as dit en culatrix, mais je vérifie quand même. Pour être sûr, genre si je peux pas récupérer quand même, parce qu'il m'en manque 3 des armes quand même. Hein. C'est pas mal. Ici? Behind la porte ici? I don't have, j'ai l'impression. Hein. C'était dans les toilettes du haut, tu disais, toi, je pense. Fait chier en plus que j'ai pas de lampe torche. En fait, il faut que je vire le taser et que je joue un peu plus à la bombe spray, mais que je garde quand même un flingue au cas où, parce que sans lampe torche, c'est vraiment galère, quoi. Non, pas en haut? Bah merde. Pour merde. Là où t'as eu les deux. Ah oui, ok. C'était là, je crois, non? Dans le coin? Non, c'était plus loin. Toi, y'a rien. Toi, derrière la porte ici, y'a rien non plus, ok. Où t'as eu les deux à travers la porte. Ok, c'était juste avant. Je galère, je suis désolé. Je me repère pas. Là, y'a rien. Ok. Il me manque. Oui, 24 sur 27, c'est ça, 3 armes. Ok. Through the door and the flames. On va essayer quand même de les sécuriser. Je suis désolé, c'est un petit peu long, mais écoute, tant pis. Hein. S'il faut ça pour avoir du high score américain. Et y'a quoi ici d'ailleurs? Y'a vraiment que dalle. Y'en a pas un, genre il est mort tout seul, il a droppé des flingues. Non. Bon, tant pis. En plus, dans la première mission, dans la mission de SWAT 4 originale, il y a une arme que tu dois ramasser, mais qui est même pas, en fait, qui appartient même pas à un terroriste. Oh ! Ok. Il y avait un petit Colt sur l'escalier, là, parce qu'en fait, oui, ils ont deux armes chacun, de temps en temps. Donc déjà, c'en est une, et mais je crois que les deux mecs que j'ai butés, ils sont en haut, gars, hein. Ils sont pas en bas, hein. Non ? I don't remember. My memory is fading from me. Just like the Third Reich. Ok. Il était où ces cons que j'ai buté moi encore en plus? Qu'est-ce que c'est que c'est? Ta gueule! Je sais même plus où elles sont les chiottes, les gars, c'est la merde. Moi je vis au jour le jour. Toi t'as pas lâché un petit Colt là? Put your hands up and get down! Oh! Get down! J'ai entendu un bruit. J'ai entendu le bruit que ça fait quand on marche sur une arme. J'aime pas trop beaucoup ça. Lui là-bas... Non, je suis en train de faire des tours pour rien. Ok, là-bas, regarde sous ton pied. Mais oui, mais non, y avait rien sous mon pied. Bouge le vieux, je peux même pas, mec. Je vais juste regarder dans son corps comme ça. Mon corps. Mon amour? Mon amour, mon corps, ça dégouline de sang. C'est vrai, mais c'est insupportable. Là, y'a rien, parce que là, on voit vraiment que dalle. Ça se trouve, y'a une arme là.
vois rien, mec, je vois rien, c'est la merde. Ah, mais attends, je suis complètement con, moi. Abruti, va. Voilà. Là, on voit un petit peu mieux. Putain, j'avais oublié tout un aspect du gameplay, quoi. Vraiment, le gars, il a rien à foutre, là, quoi. Hop, on va en foutre une là, une craquinette. J'appelle ça les craquinettes, maintenant. C'est quoi, d'ailleurs, là, throw light stick. Bim, voilà. J'ai directement ça sur la souris. Hop, du coup, on est tranquille, on peut le faire en boucle sans problème. Tiens, on en fout une là, on sait pas pourquoi. Ah. Pourquoi t'as fait un bruit de bois, toi aussi? Mais c'est quoi ce délire? Non, il a rien sur lui, pourtant. C'était en bas, donc c'était en bas, la porte avec les deux gars que j'ai buté. Petite craquinette. Tac. T'as rien sur toi, toi? Rien sur lui. Et je crois que la porte était là-bas, c'est ça? C'était eux, là. C'est les pédoules. Apparemment, j'ai forget un truc derrière la porte. Ah oui! Un petit shotgun. Ah, ah! Oh, aïe, aïe! Y'a pas d'autre arme, du coup. C'est la merde, il m'en manque une. Help! Help! Vous êtes sort? Tout à fait sort. Non mais les gars, il m'en manque une, les gars. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Qui sont là pour ça? Yo, 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 yo. Pile quand je chante la chanson des rats, quoi. J'hallucine. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. Pas de panique à bord. C'est les rats qui sont là pour ça. Ah bah tiens, la bouffe pour ce soir. Yes! Yes, 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 yes! 27 sur 27, 33 sur 33. Let's go! Ah. Oh. Ouais, à 15 points près quand même. Oh merde. Oh putain, vas-y, on va se foutre en facile cette fois parce que là, laisse tomber. Oh mec. Oh la vanne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la remet en normal et on l'a fait en essayant de buter personne, ou est-ce qu'on l'a fait en facile et on ken tout le monde? Oh là là, mec. Voilà, non, pas le fusil à pompe là-dedans, parce que ça va être trop galère. Il y a trop d'angles morts et tout, donc je pense qu'on va y aller comme ça, en facile. En facile, je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Et puis avec ça, ça va être bien. Tu sais quoi, non, je vais prendre le Glock, tiens, voilà. On brûle tout, on repart sur des bases saines. Ouais, let's go. C'est bon, j'en ai des lampes torches, là, pour le coup, t'inquiète, l'oltruche, là, on est tranquille. Ammo pouch, est-ce que je peux prendre plusieurs ammo pouch? Oh, bah les mecs, vous avez aucun humour. Moi, je voulais plusieurs ammo pouch pour être tranquille, tu vois. Ou alors, ouais, j'aurais pu la prendre la night vision, mais c'était chiant, la night vision. On avait fait toute une mission entière, là, en NV, c'était casse-couille de ouf. Je vais le rename sur FB. Oh non, 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 non. Non, je suis pas nul, hein. On m'a pas rename déjà, quand même. Moi, j'ai l'impression que c'est bon. Ok. Allez, les gars, let's go. Cette fois-ci, on s'en bat les couilles. Allez. Contact has complied. Ok, c'est un otage, c'est bon, on se détend. Elle est horrible, la NV, ah ouais, elle est vraiment dégueu, hein. Talk, this is entry team. I have an injured civilian ready to evacuate. Ok. Copy. Je peux me dépêcher de le faire si tu préfères. Non. J'ai pas envie d'être nul. Rien d'autre ici, très bien. Lui, il va falloir quand même le zip. Remarque, on s'en fout, on peut y aller à la bourrine, parce que de toute façon, on est en facile, là, donc... Ouais, c'est pas grave. Nicolas, tête de caca. Oh, la vache. Oh non, j'ai piqué le surnom de Christophe. Ouais, mais toi, tu viens en criant, déjà.
Je suis désolé, mais enfin, mec. Le fou, il est fou, il était fou, je pense. Il a pris tarif. Ah bah oui, il s'est pris. En plus, vu la cadence de tir de la M4, il a pris combien? Il a pris 6 balles. Il a pris 6 balles dans son huc. Mec, je suis en train d'harceler le tio ici là parce qu'il y a tellement de trucs en même temps. Ok. Ah merde, non. Est-ce que tu penses qu'elle est sous droit, celle-là? Parce que ça pourrait aller plutôt bien avec ce que je suis en train de faire. Allez, let's go. Ok. Oh, il m'a vu. Il va manger pour les autres, lui. Je vais en faire un exemple. Run! Pushlis! Ok. On est bon. Pour le coup, t'es un flic, tu risques de manger tarif de la part d'un mec vénère en costard. Mais c'est bon, je suis pas un flic brésilien. Tant que t'es pas brésilien, t'es tranquille. Hein. Et je suis pas tout à fait corrompu non plus. À part si t'as des sneakers, mais là... Là, tout le monde est corrompu pour des sneakers, personnellement. Allez, les gars. Oh, merde! Oh, le con! J'ai été un peu pressé. Franchement, là c'est ma faute quoi. J'ai été un peu pressé. Ça va? Il a fait une Marion Cotillard. Et du coup, est-ce que si je fais le débrief, je peux aller à la prochaine? Non, il faut bien quand même la finir. Il faut la finir, mais le score n'a aucune incidence. Ok, tu sais quoi? On va prendre... Je sais pas, j'hésite des ouf. Non, parce qu'en fait, j'ai envie de prendre le G36. Ouais, on va prendre le G36. Et on va prendre aussi des balles à tête creuse, parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, en fait, on croise uniquement des mecs qui ont aucune armure et qui sont uniquement en costard. Donc on va plutôt le faire comme ça. Hein. Ils me tuent leur ragdoll, ah, c'est génial. Surtout quand ils font boum, comme ça. Tu sais, quand ils sont morts, mais ils ont un petit coup de je sais pas, une tension, boum, comme ça, ça me tue à chaque fois, moi. Ok. Ok, let's go, c'est parti. Y'a quelqu'un? Allô? Pourquoi y'a aucun bruit là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Regarde la calamité du truc. C'est quand c'est calme la calamité. Entry team to talk. Civilian down. Entry team to TikTok. Ready for evac. Gonna be okay. Notifying EMTs. Aha! Police, get down now. T'es un gentil, toi, t'es un gentil. T'as failli prendre une rap. Make him safe. Nothing more we can do on this go. Pourquoi c'est comme ça? J'en ai marre.
Oh putain, j'ai encore shooté tout le monde, merde. Les gars, vous êtes où? Pourquoi vous m'aidez pas? Qu'est-ce que vous faites? Les mecs. Eh ben vous n'avez pas dit de venir. Les relous. Mange une petite, tiens. Oh, oh fuck. C'est vrai qu'il tire bien, c'est con. Oh putain, ok. J'adore, j'adore quand il commence à... Non, là c'est bon, il y a bien des bruits d'ambiance, mais je crois que ça avait bugué, je crois que la musique avait bugué tout à l'heure. Master Shooter, ah oui, bah en face c'est les Master Shooter direct, hein, ça c'est clair. Detective 16 Adam, this is BCC. C'est BCC. Allez, go. Fat beats skinny. D'accord. Super, super, espèce de discrimination positive là. Allez, gago. Parce que j'en ai marre de me prendre des balles et de faire n'importe quoi, du coup, allez-y. Allez, tuez les trucs, vous. Ah! J'ai entendu un hurlement rigolo. Lui il a mangé, ou lui il a mangé très sévèrement. J'ai l'impression que j'ai tapé dans la gorge, en plus il a fait un petit... Ça me fait rire, ouais je rigole. C'est un pied ça? Non, enfin, oui c'est un pied, mais c'est un pied de table, c'est pas un pied d'humain. Tiens, foutez-la moi en bondage elle. Bondagez-les-moi. Bondagez-la-moi. Stay quiet and shut the fuck up. C'est un méchant, ça? I'm an old man. I'm an old man and I like jazz. It's like a new coat. I like jazz. I like jazz. Est-ce que je peux l'avoir d'ici pour la noter? Non, évidemment. En fait, ils sont chiants parce que quand ils menottent une pute, ou enfin n'importe qui, hein, quand je dis pute, c'est générique, ils la notent pas en fait au TOC. Donc t'es obligé de retrouver... C'est con, tu vois, ça devrait être automatique. Si tu demandes à un pote de menotter quelqu'un, il devrait le reporter au TOC directement, tu vois. C'est Duke Ellington, maté tous Big Mouth. I'm going through changes. Allez, go. D'ailleurs, le mec qui a fait l'opening de Big Mouth, il est mort il y a pas longtemps. Comment il s'appelait? Charles Bradley. Très bon musicien, très bon chanteur. Je regarde pas, ça me fait peur. Ah, pour l'instant. Ah. Ils ont fait un petit canon. Oh là là. Il est mort? Suspect down. Stay down. Suspect down. Ok. Bon, voilà. Eh. Ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe plutôt pas mal. Avec un nom comme ça, il est Renoir, voilà, je suis sûr. Ah bah, Charles Bradley, oui, même Duke Ellington. Mais il chante très très bien, Charles Bradley. Je vous conseille d'aller écouter les chansons qu'il fait. Il a fait aussi quelques chansons pour Family Guy. Notamment, il jouait Krampus dans l'épisode éponyme. Et c'est vraiment génialissime. Les chansons qu'il fait sont vraiment géniales. Tiens, je vais en passer une, tiens, parce qu'en plus, c'est libre le droit, bougez pas. Krampus Family Guy. C'est dans American Dad. Ouais, c'est dans American Dad. C'est celle-là, je crois. Le premier qui chante, du coup, c'est Charles Bradley. C'est pas très fort. Celle-là. Ta gueule. Non mais c'est pas fort, vous cassez tous les couilles. T'es sérieux, y a pas une où il chante un peu plus fort là? Bon bah tant pis. Une musique libre de droit? Non, pas du tout, mais... Je coupe le son du jeu parce que vous allez entendre des mecs qui saignent. Lord, I'm breaking my heart.
And every Christmas Eve, my soul is always torn apart. Hey, wait a second, dude, I feel as bad as you. I don't wanna live like this no more, I just wish I could start over new. Damn, I feel just like you do. Oh, I know. Enfin bref, j'adore ce mec, il chantait vraiment extrêmement bien, et vous l'entendez, il a une voix soul, mais de malade mental. Et ouais, il est mort il y a pas très longtemps, je crois en 2016 ou en 2017, je crois. C'est extrêmement triste. C'est extrêmement triste parce qu'on a toujours Nabila. Tu vois, si elle serait morte, je me dirais, bon bah écoute, il y a un genre de justice quand même. Mais non, il y a pas de justice. on va faire un petit coup de miroir ici parce qu'il faudrait pas qu'on se prenne une petite ballonnette quoi. At your back, sir. Comment ça, you're in my spot, va niquer ta grosse race, c'est moi qui suis là, c'est moi qui suis arrivé en premier. La comparaison qui fait mal, bah écoute, une fois que tu réfléchis un petit peu, tu te dis que finalement la vie c'est une grosse pute, hein. Peut-être que c'est pour ça qu'il tue pas Nabila et se retrouve dedans. Enfin, qu'il y a plein de gens qui se retrouvent dans Nabila, mais... Bref, on va... I'm waiting for you to come up with some smart-ass comment. There's nothing funny about this. You got that right. C'est... Ok. Si vous avez envie de discuter, les gars, allez-y, je veux pas vous déranger, hein. Pompe de connard. Salut, Lysander, ça va, mec? With a smack to the forehead. Ok. Ouais, tu vois, les trucs de Charles Bradley, c'est le genre de truc que je peux absolument pas chanter, moi. Faut une voix avec des couilles, et étant donné que j'ai une voix d'enfant, ouais, quelque part, d'enfant femelle, hein, une enfante. Mon gars, lui, il mange dans toutes les dimensions où il meurt, en fait. Moi, je peux chanter que des trucs genre « J'ai encore rêvé d'elle », tu vois. Ça va, parce qu'il faut une voix fluette de bébé. Mais non, les trucs comme Charles Bradley, je peux pas, tu vois. Écoute, quelque part, tant pis, faut faire avec, hein. Alors, je chante très bien, j'ai encore rêvé d'elle, hein. Mais les autres, non. Alors, toi, mon gars, faut pas faire des blagues comme ça. Wouhou! Surprise! Ah lui, il a bouffé sa race, mais en même temps, voilà. Suspect in sight. Police, drop your weapons. Suspect spy. Mais qu'est-ce que vous foutez, bande de cons? C'est une petite fête ou quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. On the ground, now! Qu'est-ce que vous faites? Ah, ils sont plus là, c'est con. Ah, il y a la machine qui s'est réveillée, ok. Put your hands up and get down. Ok, lui il est là. J'ai vraiment pas confiance en cette porte là-bas. Oula, il aime pas du tout les marches quand je me penche. Oh putain, j'aime pas la porte, c'est pas grave. Fais avec. Ce qu'il faut en fait quand t'es SWAT, c'est ignorer les détails. Comme ça tu peux te concentrer. Comme ça tu peux te concentrer plus ardemment sur ta tâche à venir. Ignore les détails, bang, voilà. Bang and clear, et comme ça moi je couvre ce coin là. Et ils vont pouvoir se démerder tout seuls. Normalement ils vont pouvoir se démerder tout seuls. With a smack to the forehead. C'est bon? Dépêchez-vous un peu les mecs parce que. Oula, vous avez tous pris des balles en fait. Quelque part vous allez peut-être chercher. Allez Gago. Oh là, regarde-moi, là, c'est con, là. Ils boitent tous. Ok. Police, put your hands up. Abruti. C'est bon. C'est la clean team, la cleaning team de merde, j'allais dire Bethesda, de Black Mesa quoi. Lucky Luke. Là, on est dans le désert de l'Ohio. In the desert of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Ok. Dans les chiottes, on en est où? Ah ah, j'ai loupé. I'm going to check it out. What? Ouais. Hein? C'est moi ou y'en a un qui a trahi un autre? Ouais. Ouais. Ouais.
Pulse! Make him safe. Nothing more we can do on this. Mais Lucien! Mais réfléchis! Vous faites chier! Putain! Mec, j'ai entendu les bruits, je m'attendais tellement à voir un terroriste derrière la porte, putain, je me suis fait niquer. Mais merde! Jouir. Jour. C'est un mec qui est dyslexique, qui a écrit la pub. Pas vraiment le meilleur moyen, mais bon, bah merde. Fais chier. Ah! C'est pas grave, on recommence. En même temps, qu'est-ce qu'il fout dans la toilette des femmes? Voilà, quelque part, peut-être que j'ai tué un fils de pute. j'ai tué un pervers, tu vois. Ça en fait un de moins. Ok, allez go les gars. Démerdez-vous avec ça parce que moi je me démerde. Un nom binaire. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ok, go. Un nom binaire. Vous me faites trop rire. En fait, quand quelqu'un me dit non binaire dans ma tête, c'est un petit peu comme si on me disait c'est une forme de vie non carbonée, quoi, tu sais. Contact has complied, and also he's a fucking douchebag. Lui, il fera de mal à personne, lui non plus. Par contre, il y a encore un militaire dans le coin, là. Un non binaire. Chaque fois que je lis, ça me fait rire, en fait. C'est un adjectif qui me fait rire. Coucou! T'es un gentil, toi, ou pas? Oh, t'es un gentil, toi. Ouais, c'est un gentil. Par contre, là, derrière la porte, je pense qu'il y aura un ennemi. Allez. Police, on your knees. Stay down. Damn, you got nerve. Oh là 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 là. Ok, on est bon. Comment ça, tu fais l'apologie du génocide de la communauté LGBT? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Comme chante Didier Super, il y en a des biens. Donc, moi, j'ai aucun problème. Alors, le génocide de la plupart des trucs, en général, c'est jamais très très bon, tu noteras. Hein. Et non, il n'y a aucune exception dans l'histoire, vos gueules. On va encore avoir des emmerdes. Okay. Ça, c'est l'escalier, c'est ça? Non, c'est la petite salle là, ok. Ok, go. Open and clear. On se démerde. Enfin, vous démerdez en fait, quelque part. Voilà. Un petit génocide de temps en temps, ça repose. Mais certes, mais tu peux essayer aussi le yoga, ou les CD de méditation, le chant des baleines, je sais pas. Mais le génocide, franchement, déjà, ça demande des moyens. Bande de cons, ils ont fermé. J'ai foutu des balles dans un civil. Je crois que je lui ai plombé le bras. J'ai eu extrêmement beaucoup de chance. Il faut vraiment pas la gaspiller, celle-là. Il faut vraiment pas la gaspiller. Il est mort ou pas? Parce que l'autre, je lui ai foutu quand même des balles. Lui, il a vraiment eu mal. Je pense qu'il a vraiment, vraiment eu mal. Talk, this is entry team. I got a fucking bitch. That's right there. Ah, mais c'est marrant parce que du coup, il y a le plan. Le plan qu'on nous a filé, en fait, c'est le plan du métro qui est juste devant moi, mais avec des annotations rajoutées. C'est vraiment sympathique. C'est côté diégétique du jeu, faut en prendre compte aussi. Hein. We just smack to the fuck. Police, put your hands up! Don't shoot, I'm not the enemy. I'm not even Bulgarian. I hate Bulgari. They're a bunch of bled idiots. Don't tie me up. Just get okay. Out of here. Civilian, regroup and stand. Venez les bandes de cons là. Parce que là, il y a des connards qui vont débarquer là en bas et j'aime pas trop le mes chances. Ah, dans le cul. In position. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est dégueulasse hein, parce que je lui ai arraché le tibia en fait. Mais quelque part il a cherché la merde. Ok. Civilian secured and ready to be sold. Y'a personne ici? Non, c'est lui qui a ouvert la porte en voulant se barrer, je crois. C'est un ennemi ça? Pushley! Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Mais il va où? Oui, mais il est con! Oh l'abruti! Mais non, il m'a pas mis dans un piège, il est juste con!
Oh l'abruti. Le vrai trou. Le vrai trou. Oh là 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 là. Toi t'as eu tellement de bol quoi. I'm just a passenger. Bon, je vais lock parce qu'on sait jamais quand ça peut tuer un mec derrière la porte. Vous mourrez jamais. C'est comme dans Re à la fin, tu sais. Vous mourrez jamais. Ok. Après c'est des Bulgares, après le après le yogurt, il y a plus grand chose. Le yogurt. On a affaire au gang des yogurts. Ils s'occupent principalement de blanchiment d'argent. Ok. Tu sais quoi, regarde, rouge, bang and clear. Bleu, bang and clear. Comme ça, on va se faire ça. Non, tu sais quoi? Attends. Regarde, on va faire une petite doublette, regarde. Et la doublette. Tu vas la voir, la doublette, regarde. Pas la doublette. Oh, c'est beau. C'est quand même beau, une armée bien coordonnée. Ah! Ok, ça c'est bon. Mec, je vois plus rien de l'œil droit là. Moi, je crois que ça m'a fait péter les un bout du cerveau. Ça va toi? Putain, il avait un gros calibre en plus, le con. Attends, c'est un suspect ça, mais on dirait un mec qui bosse dans le métro. Non, c'est juste un blédard. Hello, what's up? D'ailleurs, il me semble que dans GTA 4, il y a un NPC qui son prénom c'est littéralement blédard. Il me semble. Police, on your knees. Police, drop your weapons. Et hop, il a même pas besoin de taser. Entry team to talk. Civilian hit. In need of medical attention. Qu'est-ce que j'adore la violence policière, mec. Oh, c'est le bordel. Il y a tout le monde qui parle sur la radio. C'est une vraie merde. Le spam, quoi. C'est bon, je lui ai juste mis des balles à travers le... Enfin, dans la colonne vertébrale. Du coup, il est tranquille. Ok, je vais isoler ça. Putain, si vous isoliez nos streams, il y aurait vraiment beaucoup de choses. On arriverait en comparaison immédiate. Hein. Alors, voyez, des groupes de gilets jaunes, bah je les attends, les mecs. Comparativement, j'ai plus de matraque qu'eux. Hein. Ok, là c'est bon, ça a bien gueulé, on est tranquille. Lui, il est pas là-bas. C'est pas grave. Si quelqu'un isolait les streams et le chat, ils auraient construit une prison juste pour nous. Mais je crois qu'il y en a une. Hein. Alors, ils lui ont donné un nom rigolo en plus. Guanta quelque chose là, je me souviens plus. Guantanamera, ouais. Guantanamera. 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 Je sais même plus qui c'est qui la chante ça. Si c'est ce qu'on fait Chan Chan là, comment il s'appelle, Buena Vista Social Club ou je sais plus qui c'est. Guantanamo. Putain, mais alors lui, il a vraiment tellement mal choisi son coin quoi. Il a un fusil à pompe, je suis pas fou. Attends, je suis en auto déjà. Bip. Il est immortel ou quoi? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Cette fois-ci, il va pas fuir parce qu'il a déjà fui une fois lui. Mais ça m'a pas plu la première fois du coup. Par contre, qu'est-ce qu'il fait ce con là? Tu vas sortir un jour ou pas là? Tu crois que t'es planqué abruti là? Attends. Il goûte mon con. Hop. Bon, par contre, va falloir que tu complies un jour parce que ça va vraiment me saouler là. C'est bon? Ok, c'est bon. Non, il m'a gonflé, il m'a complètement gonflé lui quoi. Il est mort aveugle. Il a fait une recharge. Ouh, ah, oui, c'était pas si drôle que ce que je pensais. 23 sur 23, 10 sur 10, et bah voilà, on est bien. Tranquillou bilou. Alors attends, je vais regarder quand même derrière ce qu'il y a là. We the smack to the fort. Move over. This is my spot. You're in my spot. Qu'est-ce qu'on fait? Et tu sais quoi, on va se la faire tranquillement. On va faire open steam clear. L'autre il est en train d'avoir une crise d'épilepsie. Qu'est-ce que tu fais? Oh les relous. Vous faites quoi les autres?
Mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons là, vous venez ou pas? Les mecs? Behind me. Et oui. Et pourquoi t'es le dernier? Ils sont où les autres cons? Bah. Mais les mecs? Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous étiez en train de branler? Fall in on me. Vous allez où? Vous allez où? Attends, on va voir. Hein. Je suis super curieux de savoir ce qu'ils vont foutre. Jouir. With you. Ok, c'est bon. Il était aux chiottes. Il était littéralement aux chiottes. Oh les pros. Oh les pros, mon gars. Ouais, non, il y en avait un qui était en train de chier, du coup, ils sont allés voir. Ouais, chef, on est prêt. Regarde, il est où, Reynolds? Le mec, j'ai un petit problème, j'arrive tout de suite. Reynolds, qu'est-ce que tu fous? On a besoin de toi sur le coin, là. On a deux terroristes derrière une porte. Oui, mais moi aussi, j'en ai des terroristes à la porte, mais pour ça, je... Ok. Open bank. Non, non, open sting, open sting. On va ouvrir sting, plutôt. Check. On it. Ah, mais... c'est quoi la chanson, déjà? Merde. I'm a British man in New York, c'est ça? C'est bon? On est bon? Oh la vache, c'est la merde. I'm an Englishman in New York. Oh oh. Un peu en exil. Étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Et oui, le chanteur, on va ouvrir Sting. Opération Gros Caca est une réussite. Mais t'imagines, t'es au SWAT et t'as envie de chier? Genre, enfin, y a quoi comme possibilité qui s'ouvre à toi, quoi? À part le stress. Ils sont partis où, ces cons? Ok, ils sont encore là. Vous avez descendu un mec? Qu'est-ce que vous faites là? Tu chies dans ton froc, littéralement. Ouais, je pense que le mieux, c'est littéralement de te chier dessus, hein. Genre, c'était tactiquement, c'est la solution la plus adaptée, je suis désolé. Hein. Chef. permission de laisser le Zeppelin franchir le hangar. Permission accordée, Reynolds. Ok. Là-bas. Mais vous êtes des fous. Mais mec, t'imagines pas la pression? T'es en train de risquer ta vie dans un truc, tu as quand même pas... Enfin, tu pourrais chier sur le sol, mais c'est con, faudrait de la couverture, quoi. Là, il y a encore personne. Écoute, on va passer par ici. Je pense que dû au stress de l'OP, t'as pas de quoi te détendre suffisamment l'anus pour chier. Mais je suis sûr qu'il y a des. Franchement, rends-toi, mec. Rends-toi. Il s'était rendu, mais j'ai paniqué. Alors, oh, écoute. Mais en fait, j'avais oublié que la porte devant lui, elle était scellée. Donc en fait, je pensais qu'il était en train de courir. Je pensais qu'il était en train de changer son animation pour courir et se barrer. Ah non, mais elle est pas scellée en fait. Et je pensais qu'il était en train de se barrer. Du coup, bah, j'ai un petit peu paniqué et je lui ai foutu une balle. Je suis désolé, c'était vraiment pas ce que je voulais. Mais écoute. Tant pis. Ah putain, j'ai mal à l'épaule. Écoute, ça arrive, hein. Bah. Ah oui, non, il est passé par là, oui. Est-ce que je suis en train de juste refaire un tour là? Ouais, ok, je suis attardé. Ok, je vois. Bon, écoute, le reste, c'est par là, hein. Putain, vous êtes encore en train de discuter, là? Ah, ouais. Mec, tu m'avais par surprise. Les gars, vous êtes vraiment pas concentrés, quoi. Encore, tu vois, tu me filerais les terroristes qui ont un petit peu de bouteille. Des mecs qui sont là, yeah, ouais, go, mec, on est chaud. Là, c'est vraiment ridicule, quoi. Attends, on va voir s'il y a quelque chose derrière la porte, encore une fois. Et on a bientôt fini de tout nettoyer, j'ai l'impression, hein. Le mode easy change pas l'IA des ennemis. Le mode easy change uniquement, je crois, le score nécessaire afin d'arriver, afin de valider la mission. Parce que je crois qu'ils ont pas fait... L'IA est tellement compliquée, si tu veux. Il est où?
Hands in the air, get down. Clear it. Allez-y vous, parce que ça... It's no good. It's no good. J'aime pas trop, mais écoute. Ça fait finir en sang sur sang si tu conduis comme ça. Ah non, non, mais je suis déjà au minimum là. À mon avis, je suis déjà à zéro là. Étant donné que j'ai pas demandé à un seul mec de lâcher son arme et que j'ai tué littéralement un gars dans le dos qui venait de se rendre, à mon avis, ça va vraiment pas être Jojo. Hein. Est-ce que par contre ils peuvent venir? Ah, c'est bon. Got your back, Jack. À deux et dans le dos, déjà c'était signé. Ok. Don't move! Oh, l'accent raciste! Don't move unless I tell you to, hombre! Going ready. Eh, hey, gars, videz-moi ça là. Je crois que c'est l'entrée là, non? Ouais, c'est l'entrée. Je pense que ça doit être la dernière salle, ça. Salle, ça. La dernière salle, ça! Ok. The police are here. The suspect is the... Je lui ai mis une petite baloute dans qu'on appelle ça dans la. J'ai pas de mots élégants là. Comment on dit dans la clavicule. C'était juste pour lui montrer qui c'était le patron. Ça a plutôt plus ou moins marché. Allô. Allô. Vous faites attention, s'il vous plaît. Déconnez pas. Hein. Si, le mode a un impact sur l'agressivité de leur morale. Et leur morale. Ah ouais, donc ça veut dire qu'ils se rendent plus facilement en facile. Alors je m'en fous, je suis en train de les. Je fais une épuration, donc quelque part. Nani? Entry team to talk. Civilian down. C'est quoi? C'est quoi? D'accord. Regarde, j'ai fait moins 85. Je l'ai pas touché. J'aurais dû lâcher le G36. Genre, c'est pas moi. C'est pas moi. Ok, go. Allez, dernière mission normalement. Le. Quelque part, est-ce qu'on n'est pas tous responsables? Hein, quelque part, est-ce que finalement c'est pas ça la vie? est-ce que c'est pas justement la déception quelque part un petit peu? Et puis de l'autre côté, c'est vrai, il y a aussi tout ce qui est, voilà, tout ce qui en gros te remet en question et remet en question ta volonté de vivre. Est-ce que c'est pas ça la vie? Essayer de combattre ce sentiment infâme de déception, de... Non, c'est toi qui joues, c'est ta faute. Mais je t'emmerde, sale enculé. C'est pas ça la dernière mission. Non, je crois qu'il y en a une autre après. Hein. Il y en a une autre après, normalement. Une dernière après. C'est non, il n'y avait même pas eu de cinématique, il n'y a eu que dalle. Attends. Il a vraiment cherché la merde, lui, hein. Element, make him secure. Et là, pour le coup, je pourrais buter personne, du coup, je suis tranquille. Alors là, si j'ai pas le score maximum, c'est qu'il y a un souci, quoi. Allez, on a plus le temps. Toi, ta gueule aussi. En plus, on a plein de cartouches, on est tranquille, on a 75 cartouches. L'otage est pas mort, il lui a tiré dans la jambe. Non, mais je sais pas pourquoi ça a fait ça, mais peut-être que c'est parce que j'ai eu un score littéralement négatif. Je sais pas, mais il y a un truc qui est pas allé. Donc, on va le refaire, c'est pas grave. Hein. Écoute, on est là pour jouer. Hein. Attends, je vous dis, vous inquiétez pas, je vais vous montrer un mode après, donc on sera pas en reste non plus de SWAT, mais ah, mais c'est bon, il est déjà pris. On a toutes les armes là? On est déjà tout? 4 sur 9, 3 sur 4. Déjà, j'ai loupé une arme, déjà, quelque part. Qu'est-ce que c'est que ces patanouks? Peut-être quelqu'un qui avait un deuxième gun. On va essayer d'y aller plutôt, comment on dit, progressivement, pour la. Pour tout ce qui est armes, etc. Parce que j'ai l'impression que. C'est vraiment très. Ah voilà, c'est lui. Ok. Voilà, tu me cachais ton arme, hein, petit briscarve.
Ok, c'est bon. Lui, il est bien incapacité. Il fake pas, on est bon. Ça doit être l'assassinat dans le dos alors que le mec était s'était rendu. Mais non, mais ça c'est normal. C'est très américain finalement comme façon de voir les choses. Moins de létalité pour plus de tétraplégie. Bienvenue à la Megaforge. Tu sais quoi, on va y aller directement. Voilà, oh la chorale. T'as rien d'autre? T'as rien d'autre? Chopez-le lui, pour que moi j'occupe du reste. Pourtant c'était écrit mission réussite, bah oui mais non, apparemment non. Écoute, on va le refaire une dernière fois et c'est pas grave. Peut-être que c'est une erreur, mais à mon avis je crois pas que c'est la dernière mission. Et je crois vraiment qu'il y a une dernière mission, c'est vraiment le hangar des Stetskov. Des Stetchkov et non c'est pas la dernière. Viendras-tu donc, bel ami, digue ton den. Ce flingue à beanbag tire de tellement beaucoup trop loin, ça me tue à chaque fois. Enfin non, du coup ça m'incapacite. Toi tu te baisses ta grosse race. Je me rends du con. Je m'excuse. Tu m'entends du con? Ok. Je me rends du con. Ouh là 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 là, il a mangé lui aussi lui. Ils sont bien ces fusils à beanbag, ils sont vraiment niqués. Je m'excuse. Je m'excuse, tu m'entends du con? Ils sont prêts pour le... Pour le quoi? Bah je sais pas. Ils sont prêts pour le fauteuil. Quoi, y'a un mec qui essaie de se barrer? Sur les voies de chemin de fer? Il est fifou lui, qu'est-ce que c'est que ce con là? Ok, on va faire très attention ici. Mais il vous entend pas, c'est pas la peine de gueuler. Tiens, tu te passes ça, il va l'entendre. Tiens. Oh, je m'excuse. Ouais, j'arrête de citer du Kaamelott. Putain, ta gueule, Hitman. Oh, ça c'était 47. Rends-toi 47. T'as plus aucune chance. Voilà. Oh, le bon vieux taser, qu'est-ce que j'aime ça. Pose. Tu poses. Tu lâches. Tu lâches. Voilà. Put your hands up and get down. Ils sont bien ces fusils, mais ils te laissent v'là les marques. Knoxville avait testé de s'en prendre une, c'est vrai? Un fusil à beanbag là, incapacitant? Tu m'étonnes que ça laisse des marques. T'imagines, le but du fusil, c'est de te faire assez mal pour que tu arrêtes de vouloir faire ce que tu fais. Alors attends, tu m'étonnes que ça doit piquer un petit peu pour que ça marche. Tu crois qu'on peut exploser les salades avec des beanbags? Ok, go. Oh la vache. Sans te tuer en plus, sans te tuer. Mais ces trucs là je vous dis, hein, dans le mode ça répare ça. C'est à dire que quand tu tires sur quelqu'un avec le beanbag mais que t'es trop près, ça les tue quand même. Red, on my order. Blue team, on my signal. Ok, moi je vais aller couvrir par là-bas. Bah s'il essayait de se barrer par les voies, déjà il est en train de se manger des... Ça c'est tous des otages ça. L'otage qui est devant moi a eu tellement extrêmement de chance. Est-ce qu'il a appelé ses potes? Non, il a pas appelé ses potes. J'aimerais bien juste leur tirer son arme. Voilà. Je vais juste faire ça, je vais pas avancer plus. Parce que j'ai vraiment pas confiance. Voilà. Je suis désolé, tout se passe un petit peu en même temps là, mais c'est parce que j'essaie d'être le plus proactif possible. Oh le bordel! Knoxville, Bam et Ryan, ah ouais. C'est le bordel avec les flashbangs, ça me rappelle toujours l'épisode de Malcolm où il teste le dragon 4000 je sais plus quoi là. Et ça va toi? Elle est où ton arme? Elle est où ton arme? C'est une arme de guerre, connard! Elle est là. Ok. Où ils testent du coup les le putain de feu d'artifice de ouf avec Reese et merde, je sais plus comment il s'appelle, le grand frère. Et pendant quelques secondes, genre
il le teste de nuit et pendant quelques secondes, ça devient le jour en fait. Et ils sont tous aveugles. Ça me tue. Mec, ça m'oblitère à chaque fois quoi. Le Komodo 3000, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ça vient de quoi? C'est une arme de guerre, connard. Ça, c'est un épisode. Enfin, c'est un documentaire sur la Légion étrangère, je crois. Quoi, Gunman? Ouais. Sur la Légion étrangère, et c'est un mec qui fout son FAMAS, on sait pas où. Et son supérieur le retrouve et lui dit qu'est-ce que tu fous, pourquoi tu l'as laissé là? Et l'autre il fait je sais pas. Et le mec il fait c'est une arme de guerre, connard. Mais c'est un vrai truc, hein, c'est comme le. Non, sergent chef. Get through there. Go. T'es défoncé? Check. Non, sergent chef. T'as failli à ta mission. Move it, go, go, go. You see him? So far so good. So far so good. Ça c'est exparé. Tire, go. Area clear. I'm clear. Il est clear? Comment ça il est clear? Il s'est pas clear du tout, il s'est barré. Mec, il a rien clear, mais ici. C'est clear de que dalle en fait, il s'est juste tiré. Non? Il est où? Ou alors il est là? Bah non. Non, non, il s'est juste barré. Ok, bon bah bravo les gars. Pourquoi tu t'es défoncé? On a tous eu extrêmement beaucoup de chance, mon gars. Heureusement qu'il tire comme une merde. C'est comme le début de Pulp Fiction, tu sais, avec Vince et... Vince et l'autre. Qui c'est qui sait tout sur sa langue? C'est lui, là? Et je lui ai pas tiré dans la bouche, pourtant. You fucking big fuck. Oh putain, alors lui, c'est Koulibaly qui sort du Super U. Mais quoi, over here, help? Je suis là, mais calme-toi. 21 sur 21, 11 sur 11, on est bon? Non, non, c'est juste l'autre qui gueule pour rien. Il va vomir pendant longtemps, mais là, ouais. C'est un FAMAS, c'est un fusil d'assaut, c'est une arme de guerre, connard! Bon, alors, est-ce qu'il y a encore des trous du cul ici? Là, sur la droite, il n'y a rien. Juste faire attention sur la gauche, mais il y a souvent le mec avec son suite qui arrive, là. Son suite des années 90, là, son truc à la Prince de Bel Air. Now, this is the story all about how my life got flipped, turned upside down. Ok. Personne ici? Personne ici, ok, on est tranquille. Tiens, tu connais Doorkeeker? C'est un jeu d'intervention policière mais en vue de dessus. Absolument, je connais Doorkeeker. Ouais. Doorkeeker, c'est très très stylé, par contre, il n'y a aucune place vraiment pour le fun. C'est de la planification pure et je sais pas si vous connaissez Doorkeeker, donc oui, c'est vue de dessus, comme SWAT, mais vue de dessus. Et en gros, tu donnes des ordres successifs à tes mecs et donc tu peux jouer en temps réel, mais normalement ce que tu dois faire c'est préparer complètement comment on appelle ça, le clearing en fait de la mission sans vraiment influer, tu vois, en direct. Donc c'est-à-dire par exemple, tu dis bon, au début en première étape, vous allez aller à cette porte-là, ensuite en deuxième étape, vous allez lancer les flashs, en troisième étape, vous allez attendre mon signal, etc., etc. Donc c'est super super compliqué. Parce que tu sais jamais vraiment ce qui va se passer, donc ça marche avec des protocoles en fait. Tu te dis, par exemple dans cette salle-là, si jamais il y a ça, je lance ça, si jamais il y a ça, je lance ça, et il faut savoir répondre à tous les problèmes. Et donc ouais, c'est super intéressant, mais c'est vraiment super dur quoi. C'est vraiment super balèze. Et donc ouais, le délire c'est que donc tu contrôles 5 mecs, je crois, jusqu'à 5 mecs, et tu peux leur dire... successivement, et bah toi tu vas là, toi tu attends que lui passe là, à mon signal, bim, vous lancez tous les deux des frags, etc., etc. Mais tu peux aussi les jouer en... Merde, ça m'a fait peur. Tu peux aussi les jouer, ouais, t'es tranquillement en temps réel, mais c'est moins le but, quoi. C'est plus marrant quand même de planifier vraiment ses mouvements. Hop, open bank clear. Opening clear. J'arrête peut-être pas du bank parce qu'il est... Attends, il est retourné. Open sting. Sting and clear. Still engaged. Tout dépend de la mission, il y a jusqu'à 8. Ah ouais, jusqu'à 8 quand même. Ouais. Mais oui, putain, mais qu'est-ce que j'ai avec ce ça, moi? Il est vraiment sympa, Doorkeeker. Et je crois qu'il y a Doorkeeker 2, non? Qui est sorti. J'ai demandé un sting. Oh merde. Il y a un deuxième, c'est la merde. Sur quoi tu tirais, toi? Tu tirais sur ton pote parce qu'il s'est rendu, espèce d'enculé? Oh la vache! Hop, il y avait une deuxième arme en plus. Ok, on est tranquille, on est bien.
J'ai pas fini en tout cas Door Kicker, mais c'est vrai qu'il est cool quand même. Il y a plus ce sentiment de jouer au vieux jeu SWAT. D'ailleurs, je crois que SWAT au début s'appelait Police Stories, si je me gourre pas. Et il y a un jeu indé qui est sorti il y a pas longtemps qu'on a streamé avec SCAD, qui n'est pas sorti en plus d'ailleurs encore. Mais il y a un jeu indé qui s'appelle Pixel Stories, Pixel, je sais pas quoi, ou Police Stories, et ils ont des problèmes avec les noms, vu que justement y a déjà un vieux jeu qui s'appelle Police Stories qui est sorti, quoi. Je crois que SWAT 1 et 2 en fait s'appelaient Police Stories SWAT. Donc lui, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous avez foutu en fait, les mecs? J'ai pas trop suivi. Ah d'accord, en fait le mec que j'ai chlassé là, c'est le mec qui était là que j'ai vu et que j'ai essayé de sting en fait, mais il a réussi à se barrer. Les mecs ont pas tiré assez vite. Ah non, c'est peut-être lui en fait. Ils se ressemblent tous, hein. Tu sais, moi, vous les blancs, vous ressemblez tous pour moi. Hein. Pour avoir toutes les médailles, il faut faire chaque mission sans changer de plan. Tu douilles ta daronne. Ah oui, sans changer de plan, c'est-à-dire t'as un plan au début et tu changes pas tes. Tu donnes pas d'ordre au fur et à mesure, quoi. Oh la vache. Par contre, ça doit être vraiment super classe. Ça doit être vraiment, vraiment super stylé. Et bah, vous savez quoi, les gars, vous allez ici. Move and clear. Tu dois aussi faire la mission avec un seul gars. Oui, je me souviens de cet achievement, ouais. Finir toutes les missions avec un seul mec, ça c'est pareil, il faut des couilles, hein. Faut des couillasses. Là, y'a rien, on est tranquille. Je vais quand même visiter, on sait jamais. Normalement, y'a que dalle. Ok. Normalement, vu que je les ai armés avec des pepper spray et tout, on devrait pas avoir de problème, hein. Ils sont montés ou quoi? Ouais, ils sont montés? Ouais, c'est bon, ils sont montés. Ok. Don't make any trouble. Lui c'est bon, il s'est rendu, tranquillou bilou quoi. Quoi? Stay there and be quiet, don't say the word. Don't make the noise, please. Fall in and stay close. I'll take point. Toi tu viens avec moi. Bon, normalement il me manque aucun rapport à faire. Évidemment, il me manque un statut, quoi. Ah non, c'est bon, c'est celui-là. Ok, go, on est bien. Je suis pas stressé, c'est pas vraiment du stress, c'est au-delà. Ok, donc ça, on était bon. Ici, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, il y en a deux là. Eh ben écoute, on va faire comme tout à l'heure. On va ouvrir, bang, clear. Et moi, je vais me planquer derrière ici. Salut, c'est moi. Hop, allez, go. On est bien là, t'inquiète pas, tout va bien se passer là. Aucune chance que ça marche pas. J'ai bourriné le CD. Y'en a un qui hurle juste. Y'a les flics qui rentrent, le mec qui fait AA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 H. La panique, ouais, je comprends. Le chaos, ah bah là oui, ça commence un peu, ouais. Voilà, et cette fois-ci on reste tranquille, voilà. Voilà, ça c'est vraiment le chaos, ouais, mais... Voilà! Regarde, 31 sur 31, 21 sur 21, il n'y a eu aucun souci. Je crois qu'il y en a juste un qui s'est mangé une petite baloute. Voilà, regarde, lieutenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Fail to apprehend the fleeing suspect. Ah ouais, carrément, quoi. C'est que ça! En plus, c'est même pas moi, mec! Incapacitated? Comment ça? On a neutralisé un suspect? Qui c'est qui a neutralisé un suspect? Il n'y a rien de létal! Attends, Nani Collet? Mais je crois qu'en fait, ils arrivent pas à utiliser les lance-grenades. Du coup, lui, il utilise forcément sa deuxième arme. C'est quand même con, hein. Ils ont pas, en fait, l'IA est pas faite pour utiliser le lance-grenade. Du coup, il a dû utiliser son gun, et il a dû en buter un. Hein. Ça se trouve. C'est limite s'il a pas pris la grenade dans la bouche. Salut, Hellbikers. Allez, next mission, on est bon. Allez, dernière mission du jeu, là. Ah waouh. Mais pourquoi ça fait ça? Mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Non mais il est censé. Attends, mais je suis pas fou. Stetchkov Syndicate Missions. Non, il y a une mission 7. Non, il y a une mission 7. Stetchkov Warehouse. La mission 6, c'est Fresnel Street Station. I don't understand. I don't get it.
Redémarre le jeu. Je vais essayer de redémarrer le jeu, ouais. Ou alors juste redémarrer la... Non. Non mais il y a même pas le mode, ça peut pas être le mode caché parce qu'en fait j'ai pas mis le mode là, je lance le jeu encore de base, Stagecoff Syndicate de base, c'est même pas le mode. Hop ta gueule, je sais pas ce qui se passe. I don't understand, mais au pire c'est pas grave hein, si jamais ça merde vraiment, je vous montrerai le mode directement. Non bah non, ça a pété un plomb. Hein. It has pété de plomb. Comment je peux faire? Non, bah non, je vais pas le refaire une troisième fois, c'est bon. non, bah écoute, c'est pas grave. Je vais vous montrer le mode. Comme ça, ce sera plus... On aura une vision plus périphérique. De quoi tu parles? Aucune idée. Il est là, le mode. Tac, par contre, il va falloir que je fasse quelques ajustements de mon écran. Parce que le mode se lance en plein écran, et j'ai la flemme d'aller parcourir les fichiers INI pour trouver où il faut changer ça. Oh, ce gif est trop beau. Ouais, il est sublime, je sais. C'est moi qui l'ai trouvé. En fait, c'est Skad qui l'a trouvé, mais je lui ai dit, je vais dire que c'est moi qui l'ai trouvé. Et il a dit, je suis pas d'accord, du coup, je le fais. Par contre, pourquoi il ne se lance pas? On va taser l'étalement des mémés. Ah, ouais. Ok, on tente ça, c'est la deuxième mission, je crois que c'est Fairfax, ou c'est la quatrième, je sais plus. Bouge pas, il faut que je refoute la résolution, parce qu'évidemment, ils ne m'ont pas gardé cette bande de trous de balles. Ils sont à par 1080. Mais dis-moi, Russian, c'est quoi ce mode? C'est un mode super agréable. Attends, il faut juste que je vois s'ils ont bien gardé mes touches. Ouais, ça a bien gardé mes touches. Ok. Ok, ok. Alors, bouge pas. Tac. Je crois que c'est pas en capture de jeu. Faut que je fasse une capture de fenêtre. C'est à l'ancienne, hein. Je change de jeu comme ça à l'ancienne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Haha, tu vas pas me dire... Non, mais me dis pas qu'il va pas le capturer, quoi. Mec, si tu me dis qu'il va pas le capturer, je vais vraiment péter un plomb. J'avoue que j'ai pas testé avant, mais si le seul jeu que je teste pas marche pas... Ok, ça marche. C'est bon, évidemment que ça marche. Ah, évidemment que j'ai testé avant de lancer le stream. Ah, hi hi. Et hop, regarde-moi ça. Il change de jeu comme il change de sexe. Bravo. Bravo, Wapfal. Ça, c'est bien, ça. Donc, bouge pas, faut que j'enlève.